Hello, bonjour à tous, c'est le dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi, c'est l'actu au second degré, vendredi 13 juin 2014. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, bah c'est le top 3 des infos de la semaine. Alors, à retenir ou à oublier, c'est vous qui décidez après. En troisième position, le gros bide pour le concours de danse de TF1. Ah oui, il est gros hein, ce concours, il est très gros ce concours. Bah oui, gros bide. Gros concours. Ouais, bah, je viens de faire aussi un gros bide, je crois. Avec une vanne vraiment hyper réussie. Bah oui, bon. C'est un échec pour le concours, hein. Échec et mat. Fallait me prendre moi? Bah il fallait me prendre moi dans la compétition. Vous le saviez peut-être pas, mais la danse, c'est ma passion. Je sais faire danser toutes les parties de mon corps. Toutes sans exception. Je sais faire des mouvements avec. Bon, je vous laisse imaginer, hein, si vous avez envie d'ailleurs d'imaginer. Hein, vous n'aurez aucune démo, hein, je suis désolé. En deuxième position, cette semaine, D8 a diffusé par erreur pendant quelques secondes les programmes de D17. Rien d'étonnant. Hein. TF1 diffuse souvent par erreur les programmes de Énergie 12, par exemple. Comment? Ah non. En fait, on me dit dans mon oreillette que je n'ai pas que ce sont vraiment les programmes de TF1, pas cette Énergie 12. Et en première position, alors là, je suis déçu, écœuré, à terre. Hanouna a annoncé que rien n'était fait avec Nabila, rien n'était conclu pour qu'elle intègre sa bande. Pourquoi? Je veux avoir Nabila dans la bande d'Hanouna. Et puis, Nabila et bande, ça va bien ensemble, non? Bon, voilà. Après un festival de vannes toutes pousses pourries les unes que les autres, je me retire. Enfin, je m'en vais. Ouh, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Rendez-vous très très vite pour l'actu, bien sûr. Au second degré, toujours. Ciao!